sœurs, bonjour. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun. Je me présente, le prophète Franck Cerillo. Nous organisons un programme de prière, de croisade, de délivrance qui a pour thème l'onction avec le révérend Michel Faco. Je pense que c'est un homme de Dieu que tout le monde connaît. Tout le monde connaît peut-être des noms. Il y en a aussi qui le connaissent par rapport à sa notoriété. Mais nous, aujourd'hui, nous invitons toute la France à venir à ce programme. Un lieu, Saint-Denis, une date, 26, 27, 28 juin. Un lieu encore, La Briche. Mais bien aimé, ce n'est pas un jour à manquer. Ce n'est pas un jour aussi qu'on doit te rencontrer. Il faudrait que ce jour-là, tu sois acteur, tu sois présent à ce programme-là. Le thème l'onction, dans l'onction, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration. Je pense que si tu viens ce jour-là, la Bible nous dit que chacun venait recevoir sa grâce. Mais je pense que si tu viens ce jour, tu viendras aussi recevoir ta bénédiction. Sur le prospectus, nous avons mis un geste peut sauver, peut changer ta vie. Quel geste que Dieu mettra dans le révérend Michel Faco, en sorte qu'il puisse aussi t'imposer ses mains ou même parler, profiter sur ta vie, en sorte que ta vie puisse changer. Je t'invite le jeudi 26 juin de 19h à 22h. Le vendredi 27 juin de 19h à 22h. Et le samedi 28 juin de 14h à 18h. Sors de ce corps! Au nom de Jésus! Je proclame ta guérison, toi qui as ce mal. Au nom de Jésus! Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus! Reçois le feu de la guérison. Au nom de Jésus! Tu sens comme un feu qui descend en toi. Tu sens comme un feu autour de toi. Tu sens comme un feu autour de toi. Ça passe au travers de toi. C'est le feu de la guérison. Amen. Je proclame maintenant que tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. 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 Tu reçois comme un feu. Là-bas dehors, tu reçois. Les hommes de Dieu viendront. Mais bien aimé, il y a des témoignages. Il y a même une personne qui m'a rendu un témoignage qu'il avait sa sœur qui était atteinte de la folie. Après une prière du révérend Michel Faco, cette femme a retrouvé la guérison totale, la délivrance. Il y a quelqu'un même qui m'a rencontré un témoignage, je ne vous dis pas, je le dis parce que je suis celui-là qui m'élève pour organiser ce programme. Je vous dis, il y a une dame du Burkina, j'ai reçu le coup de fil d'une dame du Burkina qui avait son enfant pendant un programme du révérend Michel Faco en 2009 au Burkina, qui avait son enfant qui était dans le coma. Elle a pris l'enfant de l'hôpital, elle a porté l'enfant dans son dos, et pendant le programme, elle est restée avec cet enfant-là. Je vous dis, mes bien-aimés, à la fin de ce programme, l'enfant a retrouvé la vie. C'est-à-dire que cet enfant a été ressuscité. J'ai reçu ce témoignage de cette dame-là. Donc, je pense que toi, tu es malade. Toi, tu as un problème. Toi, tu as toutes les difficultés. Toi, dans ta vie,
On disait que tu étais celui-là que les sorciers ne voulaient pas laisser. Toi qui étais captivé par beaucoup de démons. C'est ton jour. Ne reste pas chez toi. Toi aussi, tu connais quelqu'un qui est malade. Toi, tu connais quelqu'un qui a des difficultés. Toi, tu connais quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir parce que les esprits ont pris le pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, ce jour-là aussi, je te dis, c'est son jour. Invite ton frère à venir en sorte que ce jour-là, Dieu puisse glorifier son nom au travers de la délivrance que tu recevras. N'oublie pas, 26, 27, 28 juin, les hommes de Dieu viendront. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Dieu soit glorifié. Venons tous nombreux. Toute la France, jeunes, vieillards, enfants, étudiants, élèves, c'est ton jour. Viens voir Dieu se glorifier pour que la francophonie puisse se réveiller, se réveiller, se réveiller, parce que la francophonie a besoin de Jésus. Tout pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Merci.